Bonjour et bienvenue sur Deadlinger, c'est la version 14 aujourd'hui que je vous présente, donc qui est fait par donc des développeurs dont j'ai pas le nom, mais je mettrai le titre, enfin leur nom, développeurs. C'est un jeu qui est assez suivi, hein. J'ai été même sur leur blog. Ils disent qu'en fait, faut juste leur dire merci, ça leur fait plaisir. Et puis le mérite, hein. Et qu'en fait ils ne font pas que ça, ils ont une vie aussi, et donc du coup. Là actuellement ils se voient toutes les fins de semaine pour le jeu, mais il faut savoir que le jeu ça fait un petit moment qu'il est sorti en alpha, hein. C'est encore une alpha, donc là j'ai connu ce jeu quand il a changé de moteur 3D, donc ils ont dû tout refaire. J'ai connu ce jeu aussi quand il y a eu les chiens, quand il y a eu aussi le fameux Père Noël zombie aussi, quand il y a eu les vélos, et aujourd'hui donc la version 14 qui propose des textures dont on va voir le graphisme dans peu de temps, puisque ça va être le lever du soleil bientôt, la lune nous dit au revoir. Donc vous allez assister à un lever de soleil qui est dans le jeu bien foutu, je trouve. Vous pouvez déjà voir que il y a des traits de lumière qui commencent à arriver petit à petit. La lune est partie. Et c'est là, on voit déjà les faisceaux de lumière qui traversent les feuilles. Vous voyez, petit à petit, on va rester comme ça. Normalement, il va apparaître le soleil. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le lever de soleil et le coucher, c'est assez sympa. Tiens, un zombie. Et toi, tu te couches comme la lune. Voilà. Voilà. Hop. Je vais profiter puisque je suis à peu près tranquille pour l'instant. Bien que les zombies soient pas super dangereux, mais ils peuvent vous faire mal quand même. Mais j'y arrivais. Pour vous montrer le sac. Donc là, j'ai trouvé un sac à dos. Il faut savoir que quand vous n'avez pas de sac, vous avez très peu d'emplacement. Là, j'ai trouvé un sac à dos. Donc, du coup, j'ai pris arc et. Oh, un chien. Il a pas aboyé celui-là. Vous pouvez voir l'ombre dynamique, alors j'ai descendu les ombres en médium parce que je préférais. Insuffisant inventory to space, remove, backpack, je sais pas quoi. On va. Est-ce que j'ai un truc pour me soigner? Non, je vais manger. Non, apparemment j'ai pas faim. Il faudrait que je trouve des médicaments, mais j'en ai pas. Donc là, ça tombe bien. Donc vous avez vu l'arme. Donc l'arme se recharge ici, j'ai plus de munitions. Donc je vais prendre l'arc. Je vais vous montrer l'arc. Oh, faut pas que je fasse ça. Je vais vous montrer l'arc, comment ça se fait. On met ça. On fait ça. Et il a la flèche plantée dans la tête, le petit. Alors, on va reculer un peu. Et je vais... Vous voyez, l'ombre, c'est l'ombre dynamique. Ça, c'est pas mal. Et on va changer et prendre un truc un peu plus puissant. Ah, purée. Commence à devenir gênant ce petit là. Ah, on a du mal à les. Tiens donc. Nouveau ça. Et il commence à y en avoir en fait. Hein. C'est. Hop, je vais prendre ça. Et donc là on a le soleil qui apparaît. On peut apercevoir donc les nouvelles textures. Voilà. Avec bien sûr le fait que ça filtre à travers les arbres. Ça c'est pas dégueu. Et on s'en va. Je vais essayer de trouver une ville ou quelque chose. Alors, c'est un jeu auquel on peut jouer tout seul, en multi, en coop. Voilà. De la mise à jour, de ce que je sais, c'est qu'ils vont, ils ont implémenté les costumes des joueurs. Donc on est censé là avoir des costumes. Trouver des costumes de militaires, mais assez, des tenues militaires, pas mal du tout, digne d'un Call of Duty, hein, ou d'un voilà, ce genre de choses là. Toutes les routes apparemment sont tracées d'une manière à ce que vous puissiez rejoindre une ville, voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Les textures sont en HD, aussi bien au sol que sur les arbres.
il y a un biome ou deux biomes qui ont été rajoutés. Voilà. Bon, il y a toujours la gestion de la nuit et du jour. Les vélos doivent être normalement toujours là, je pense. Ils sont déjà en train de travailler sur la version 15, qui comprendra peut-être un, je pense, un véhicule du type, on dirait un peu comme un véhicule de Mad Max, c'est-à-dire que c'est un espèce de, putain, c'est beau, hein, c'est super beau, un espèce de camion qui ressemble à un wagon de train, on dirait, dans les dessins que j'ai vus. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce véhicule. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des motocross. J'adorerais ça, mais vraiment. Ou pourquoi pas des kartings. C'est pas mal. Donc là, j'ai mis la synchronisation verticale, ce que je n'avais pas fait au début. Je l'ai rajouté, je l'ai remis, je l'ai recoché. Vous pouvez régler la densité de l'herbe, vous pouvez régler pas mal de petites options graphiques. Est-ce que j'ai une autre? Tiens, j'ai toujours ça à la main. Là, j'ai une hache. Tiens, on va prendre la hache. Je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, l'inventaire est comme dans Resident Evil. Hein. Pareil. On va prendre un petit arbre, ça va être bien. Allez voir comment ça tombe. Si j'ai un marteau et des pieux, enfin, je peux faire un mur, quoi. Et bien sûr, après, on peut comprendre. Ça, c'est la nouvelle mode de faire tomber les arbres comme ça. Et puis, reste, en fait, là, on prend des bûches. Alors, vous allez me dire, et je sais déjà qui va me dire ça. Oui, mais c'est exactement le même jeu qu'on a déjà. Ben non, c'est différent. Voilà. Très beau soleil. Alors, on va faire I. On va faire craft, open crafting, et on met ça ici, et ça nous fait des planches. Vous voyez? On va mettre ça là. Craft, ok. Pareil. Alors on va mettre ça là, et on fait craft. Ce qui fait après dans le jeu, voilà, vous avez ça, et vous pouvez prendre. Prendre comme ça, mettre sur un mur, quelque chose, et après taper avec le truc pour en fait vous barricader. Donc là, je vais laisser ça ici, j'en fais rien, m'alourdir plus qu'autre chose. Ah, vous voyez, vous avez compris à peu près ce que ça peut donner. Donc là, je vais essayer de. Alors, à gauche, ils nous disent ce qu'on a pris, ce qu'on fait, hein, et un petit résumé. Je trouve le jeu vraiment. Enfin, les textures font tout, quoi. C'est fou. Hein. Il a pris, pour moi, là, le jeu, il a pris un tournant, là. Voilà. Il a pris un tournant, et il est très joli. Il n'y a plus qu'à, hein, comme dirait quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il n'y a plus qu'à. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est les zombies, là, qui soient un peu plus différenciés. Et qu'on ait des variations selon les infectés que l'on croise, en fait. Du genre, un qui vous crache dessus, un qui explose, ou un qui, je ne sais pas, genre, un peu. Enfin, des trucs différents. Voilà. Des zombies qui sont plus durs que d'autres, ou qui, des zombies qui, des hordes, qui se baladent, qu'il faut éviter absolument, ce genre de choses. Alors, j'aimerais vraiment vous trouver une ville, enfin, une maison. Ah ben voilà, là-bas. Allez, on va y aller. J'espère que c'est bien ce que je pense. Un petit village ou un truc comme ça. Donc vous avez des champs de maïs ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a un champ d'arbres à droite là. Alors il est prévu bien sûr des véhicules, hein, ça je vous l'ai dit. Donc là il y a le vélo actuellement qui est disponible. Là il y a une maison. Alors des fois c'est des maisons isolées, hein, donc. Formalisez pas, il y a des maisons isolées comme ça, comme celle-là qu'on va visiter maintenant. Il y a des villes avec des villes résidences, un petit peu résidentielles, quoi, avec des petits hameaux. Voilà, il y a des centres commerciaux, il y a des magasins, il y a une prison aussi, mais c'est tellement grand que je suis pas repassé dessus, quoi.
Moi, je dis que c'est super beau, quoi. Un truc comme ça, c'est super beau. Là, on met la lumière. Ah, je suis déjà venu ici. Vous savez pourquoi? Parce que je vois le matelas. Je suis déjà venu ici. Ouais, je suis déjà venu. C'est pas qu'ils ont cloné la maison, hein, c'est que je suis vraiment déjà venu ici, en fait. Ça, j'ai. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. C'est bon. Alors, vous pouvez donner un coup de pied, c'est F. Vous donnez un coup de pied, mais pour casser une vitre ou quoi. Et en fait, vous pouvez vous faire mal aussi, hein, donc. Ça vous enlève de la vie, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a faim. Alors, I, on prend ça. C'est quoi ça? Des haricots. Du coup, il va mal. Il va pas trop trop. Du chili, ouais. Il va avoir le ventre qui va faire des. Ok, j'ai bu. Vous pouvez entendre le vent derrière. Alors la map est aléatoire, tout comme les maisons, tout comme le loot. Donc une fois que vous avez généré votre map, elle reste comme elle est. Mais si vous en recréez une, il y aura autre chose. Alors le chargement, c'est normal, il charge la map, enfin la map, il charge les zones. Eh ben, on fera une vidéo sans village, hein, sans ville, parce que il n'y a rien. En même temps, ça vous montrera que le jeu est. Je sais pas où je tombe, moi. Je suis arrivé comme ça, j'ai créé la map. Voilà. Ah, non, c'est un rocher. Alors, il n'y a pas de map, hein. Il n'y a pas de carte, plutôt, pour savoir où on est. Peut-être que je peux en trouver une, je ne sais pas du tout. Apprécier, hein. C'est joli. On va avancer un peu, j'aimerais bien trouver quelque chose. Il y a un zombie à droite. J'aimerais bien aussi trouver des caisses où à l'intérieur il y aurait des trucs, des armes, des packs, des trucs de survie ou je sais pas quoi. Ça serait bien ça aussi. Il y a une maison là, non? Où je rêve. Une route. C'est immense quoi. Là-bas, si je continue, je peux continuer toujours. Il n'y a pas de problème. Hein. En même temps, ce jeu est dépaysant. Donc, vous trouvez un village, vous trouvez pas, bah, vous n'en trouvez pas. Hein. C'est pas le village vient pas à vous. Hein. Donc c'est plutôt sympa. En ce sens, ça fait réel quoi. C'est-à-dire, vous êtes à un endroit, il n'y a pas d'habitation, ben il n'y en a pas, c'est tout. Voilà. On va pas générer des inhabitations parce que vous êtes là. C'est déjà fait ça. Donc, déjà établi.
T'as 15 minutes, on continue encore. Et je suis dans une région où c'est assez plat, en fait, hein. Enfin, c'est assez espacé. Immeuble à 11h. Hop, c'est un grand immeuble. C'est certainement là-bas que je terminerai la vidéo. Donc on va y aller. Et en distance, je suis pas à fond, hein. On peut trouver des snipers aussi, bien entendu. Des fusils de sniper. J'aimerais bien trouver un vélo aussi, ça serait bien. Quand je dis que c'est grand, c'est que c'est grand, quoi. C'est vraiment grand, voilà. Je peux pas comparer par rapport à DayZ. DayZ, je connais pas spécialement, même si je l'ai, mais en tout cas, c'est grand. Pour l'instant, là, dans ce jeu, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait depuis la version 9, 8, un truc comme ça. Je n'ai pas vu la fin de la map. J'ai pas été embêté par un mur invisible, en fait. Donc ça, c'est un espèce d'immeuble où il y a des bureaux. Apparemment, il n'y a pas de magasin, de ce que je vois. Il y a des maisons, donc on va déjà aller à l'immeuble, on va aller sur le toit. En passant bien sûr par l'intérieur. Je vais armer autre chose. Voilà, hop, toc. On est full. Ah, il n'y a plus rien. Combien j'ai? On va prendre. Et qu'est-ce que je fais moi? On va prendre le fusil à pompe. Autant leur dire, autant les inviter, c'est pareil. Maintenant ils vont venir, mais non. Mais ouais, ils m'ont entendu, je m'étonne. Et même d'en haut, ils peuvent casser les vitres aussi. Ah, il rafraîchit la map, la zone plutôt. Je pensais qu'avec une balle on l'aurait tué, mais non. Ah, c'est quoi ça? Hop, on va rentrer. Ok. C'est ici qu'on va trouver des baskets, des vêtements, des casques. Ailleurs aussi, hein, mais c'est là qu'on peut trouver, quoi. Tiens, ça a changé ça. C'était pas du marbre avant, vous voyez? C'était pas comme ça avant. C'était pas du tout comme ça. Alors les portes bleues comme ça, ça permet de monter aussi. Alors là, il y a un truc de police, c'est un. Vous voyez, c'est une protection de police, un bouclier. Une batte de baseball. La batte, je vais la prendre, je vais faire I, je vais prendre la batte. L'arc, on va l'abandonner. Ok. Je peux pas tout prendre et j'ai pas beaucoup de sacs là. J'ai pas un grand sac. Voilà, ça c'est les portes comme ça, ça permet de monter en fait. Ça c'est nouveau aussi, ça a été implémenté. Avant c'était pas comme ça. Avant c'était pas comme ça, on savait pas si on le touchait ou pas.
vont défoncer la porte, tu préfères monter. Alors le son est important aussi quand vous rentrez dans... Oh, j'ai jamais vu ça. Quand vous rentrez dans un... dans une pièce, ça peut résonner ou pas. Bon là, il y a du vent, mais sinon, c'est ce que l'on entend, quoi. Les pièces ont... La taille des pièces ont une influence sur le son. 3 coups, 4 coups. Ah, un flingue, ça c'est bien ça. Hop. Un 44, je vais prendre le 44. Ça c'est un 22. Ils ont changé la position des mains quand on tire. Il faudrait vraiment que je trouve des vêtements. Mais regardez, si je fais ça, vous voyez la lampe? Ah, c'est bien foutu, hein, c'est bien foutu. Oh, il est gros celui-là. Tiens, je le connaissais pas lui. Attends, ah non, c'était parce que... Tiens, je croyais qu'il était musclé celui-là. Ah, si vous jouez à plusieurs avec des joueurs que vous connaissez pas, vous faites repérer. On va monter sur le toit. Et vous voyez les ombres dynamiques, ça c'est cool. Ça c'est nouveau, ça par contre. Chaque objet génère son ombre en fait. Ah, il y a un magasin, il y a un magasin là-bas. Bon, on va y aller. Alors c'est vers le sud. Pour aller vers le sud, ok. Alors on va descendre vite vite. Alors des fois il y a des snipers en haut, mais j'ai pas le temps là. On va descendre à fond. On va aller vers le sud. Ah, là-bas. On va aller voir le magasin, il y a peut-être des trucs. Vous pouvez voir, le soleil va se coucher. Vous voyez les ombres sur ses bras, regardez. Vous voyez, bien fait. Donc là, je vais regarder quand même si j'ai pas un vélo, on sait jamais, il faut que j'ai de la chance. Oh purée, j'ai de la chance. Et ben voilà, je vais vous montrer donc le vélo. C'est cool ça. Ils les ont améliorés, ils les ont fait plus jolis, je trouve. Allez, on y va. Hop. Parce qu'il est coincé par rapport à... Voilà. Donc si je fais F5, on voit, voilà. On voit le... Vous voyez le truc? Là, je vais aller chercher voir s'il y a du loot là-bas. On peut appuyer sur Shift, donc le vélo accélère. Là, je vais le laisser ici, on va rentrer, je vais regarder. Tiens, il y a l'ombre du vélo sur la vitre du magasin. C'est excellent. Je viens de le voir là. Vous voyez pas, mais moi j'ai vu. Attends, je sais pas si je peux le montrer ça. C'était excellent, j'ai vu l'ombre de... Putain, c'est... Ouais, du tout. Alors pour sortir, c'est, je crois que c'est E, c'est ça, non? Ou ça, ouais, c'est ça. Ok, I. On revient en FPS. On reprendra après, et on rentre.
là on peut prendre des trucs s'il y a. Tiens, c'est un plus grand sac ça, vous voyez. Alors, si je fais I, que je mets ce sac là. Normalement c'est censé. Ah tiens, attends. Medium backpack, et ça c'est quoi? Ah, medium back, c'est pareil. Donc on va laisser. C'est le même. Okay. C'est le même, donc ça sert à rien. Ça c'est une clé, une barre de fer. Enfin, un tube. Une banane. Il y a des zombies, je les entends d'ici. On devrait pas entendre le vent à l'intérieur. Normalement, on devrait pas entendre. C'est parce que bon, je sais pas, c'est pas tout à fait au point. Mais en tout cas, d'habitude, on n'entend pas le son à l'intérieur. On n'entend pas le vent, on a un son différent en fait. Moi ce que je cherche là, c'est des vêtements. Il y a un sac ici. Voilà, bon, je crois que on est à 27 minutes. Je pense que je vais arrêter là. Faut apprécier la nuit. On voit pas grand chose, mais bon. Voilà, on va juste finir dans une maison. Et puis j'arrêterai la vidéo à ce niveau-là. Tu vas aller dans celle-là. Pourquoi pas. S'arrêter là. Voilà, hop. On s'arrête ici. Je vais aller voir à l'intérieur. Moi, vous voyez à l'intérieur comment c'est. Et je peux prendre le frigo et le pousser, mettons. Vous voyez? Alors, des fois, il y a des trucs cachés à l'intérieur. Tiens, c'est quoi ça? Non, ah, c'est quoi ça? Parce que c'est, on dirait un vêtement. Ouais, c'est un vêtement. C'est un blouson, un truc comme ça, je sais pas. Donc si je fais F5, ah, ma lampe va lâcher, dommage. En fait, je l'ai sur moi. Là, on le voit pas parce que ma lampe lâche. Ma lampe a besoin de se recharger. Mais je l'ai sur moi, en fait.
Voilà, vous pouvez ouvrir les stores hein, normalement. Attends, c'est comment déjà? Voilà, on peut ouvrir et après on peut. Si je fais ça, après on peut casser la vitre. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.